prime-là. Ok. Voilà. Bah parfait, tout ce qu'on a dit jusque-là... Voilà, on a le Bobby Boone en prime sur la main. Oh non, oh non. Pas Bobby Moon en stream. Il n'y aura pas de trace de... Mais du coup, on peut voir Bobby débat. Et là, débat a une avance considérable. On voit pas ce qui se passe, mais il lui met quand même cher, j'ai l'impression. Voilà. La SDI est exemplaire de débat. Nous attendons sa manette. Oh, which time? On en refaire un. Oh, on cherche un petit setup. C'est dommage, côté Bobby. Ok, ouais, c'est vrai que Bayonetta est très légère, donc je pense qu'un petit chevalier, un petit fer, un petit éper, ça dégage très tôt. Hein. Et là même, ouais. Ça tue? Non, ça va pas tuer. Non, et ça va loin, hein. On dirait un peu celui de Bowser Junior au LED. Il cherche beaucoup sur le LED. Il fait un petit jab sur un get-up. Et Bayonetta n'arrive pas à tuer Zelda. Hein. Le débat reste très safe. 100%. La limite, c'est plus, ça devient presque pire puisqu'elle va devoir commencer à chercher les coups, hein, les kills en un coup. Les combos commencent à vraiment être très difficiles. Là, voilà. Oh là là là. Là, trois stocks. Et pourtant, Bobby était golden pour ça. Hein. C'est pas sûr. Oui. Trois stocks de Batabu, c'est autoritaire. La team Bobby, encore une fois. Et tu as bien vu la réaction de Bobby lorsqu'il a vu qu'il allait affronter à nouveau des Batabu. Non, j'ai pas vu. Ah. Bah je comprends pas comment il a autant de mal, parce que il a fumé vous, il a fumé tout le braquet. Ouais, mais après, voilà. Après, débat peut-être bien passé match-up. Hein. Après aussi, débat là, voilà, il a un très bon stage control. C'est vrai. Très bon stage control avec sa Zelda et il arrive à ne pas laisser Bopi approcher. On va voir la palutena de Bopi. Hein. La palutena de Bopi. Attention. Hein. La palutena de Bopi. Il va regarder la game pour réaliser. Moi j'aurais bien aimé voir le Feline Inferno de Debatable, tu vois. Il a un Feline Inferno, tu l'as. Oui, il a également un robe assez intéressant. Le robe de Debatable. Même nous, on est. Non. Oh, on aura un grade et tout. Alors, Palu, pareil, Palu, on n'a pas vraiment ce robe là. Bah, de. Il y a Chaos qui vient de toute façon. Voilà, qu'il a de la famille qui passe par moment, mais. Ouais. Pour ça, c'est très bah, bien. Il me semble top mid à un moment, il a changé de passer sur Palu. C'était parce qu'il bat Peach et Daisy plutôt que. Il a fait Rob et Peach into Peach. À un moment, je pense qu'il est passé pour sûr. Alors, il y a. Ouais, voilà, c'est un peu le pic. Voilà, après de Palutena, ça reste un peu un pic. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça lui réussit beaucoup plus pour l'instant. On va voir ce que Debata va nous proposer. Je pas jusqu'à dire réussir, mais. Bah, il s'est fait 3 stocks la game d'avant, quoi. Là, il a un avantage, quoi. Attention, ça fait très mal, ça. On a cherché cette shield break, côté de Debata, c'était presque bon. Attention, laisse rap, il est terrifiant. Débat en laisse trap, je le laisse faire. Je lui prends ma stock. Ok. On ferme le sou. Tu poses la manette. Oh, le Bink, il a bien spacé et pour arriver au bon endroit. Alors, back throw, c'est un peu bizarre ça, back throw. Je pense qu'il cherchait une up throw pour un peu pour faire. C'est dangereux ça, c'est difficile à toucher Zelda, ok. 106%. Est-ce qu'il va réussir pour l'instant? Parce que ce débat est extrêmement sec, donc ça va être très compliqué pour Bopi. Il va falloir qu'il trouve un grab, il va falloir qu'il trouve un fer, un pair, un double juggle peut-être, un edge guard. Attention, il va tromper. Wouh! Alors celui-là? La taunt. Attention, hein, ça peut se. À tout moment, on peut se faire reverse hein, sur une taunt. Fais attention, on aura un air. Ok. Débat reste quand même un dash attack. Ok. Ça bourre un peu des deux côtés, mais ça, pour l'instant, ça va. Ça s'échange des coups. J'ai l'impression que ça bourre beaucoup, hein. Mais bon, c'est relevant. On s'attendait, quoi. On aura un backpack air sur le shield, la passion, on aura un air. On peut-être chercher un edge guard, reste rap, stop, on aura up tilt, on cherche le fer. Ok, les batailles restent plutôt. Il garde beaucoup de station de coups, il est très bien placé là. Attention, on l'extend un peu avec le double saut fer, c'est dommage, on aura une phase de. Ça va très vite. En fait, les deux bourrent tellement, c'est trop grave. Mais voilà, c'est. Oui, c'est deux persos normalement plutôt patients, mais. C'est grenable. Pas trop, on donne. Tu veux changer de rire ? Oh, si tu veux, ouais. Merci à vous d'avoir commenté. On aura SD côté Bopi. On fera bien. Hop. Ciao, Jérém. Et bonjour. Du coup, Bopi qui a upset Moon. Non seulement il a upset Moon, mais c'était off-stream du coup, le stream s'est déconnecté, connecté, c'est bon. Non seulement il a upset Moon, Into se faire 3 stocks par débat sur Bayo, et elle nous sort une palue.
qui tient un peu. Qui tient avec ce qu'elle tient. Le début du match était vraiment très even. Et, oula, ah, il a du riz de le saut et bon bah. 2-0. Et je 2-0. Crois qu'on va pouvoir rentrer. La dans grande cette finale. Grande finale. Félicitations à Bobby qui finit 3ème de son match, qui confirme son statut de top grenoblois à l'heure actuelle. Bastos. Et franchement, un nouveau venu comme ça qui obsède tous les tops. Les top, bah ouais, surprise de déconfinement. Surprise de déconfinement. Moi peut... c'était un bébé. Bobby c'est un top 3. Bobby c'est pas un bébé Non, c'est. Pas le même type de bébé. Ouais, voilà. C'est un bébé cadavre. Et là, on va revoir débat Bastos, sachant que c'était déjà la meilleure finale, il me semble. Ouais. Et Bastos, Bastos qui vient du loser. Ah, bah, what Bastos, débattable. Oh là là. Oh là là, c'est dur. Hein. Les deux. Tu vas voir après. Bien sûr. Hein. C'est parfait. Et là, je pense que Bastos, si mes oreilles sont bonnes, j'ai entendu dire que Bastos ne donnerait aucun buzz ce soir. Pas de buzz. Débattable, il va falloir qu'il travaille pour faire l'upset. Hein. Mais votre débattable, c'est un boss. Débattable, c'est un boss. Il est détestable. Est-ce que c'est pas la grande finale qu'on a déjà vue il y a pas longtemps, enfin, la semaine dernière? Non, pas la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Moon. C'était Moon. Oui, c'est vrai. Il y a deux semaines. En tout cas, je tenais à remercier Etio. Alors, et Avenue. Mush, c'est pas vraiment un upset de DQ parce que l'adversaire s'ennuie. bon, hein. Le Joker. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je sais pas. Il va peut-être montrer à Wii comment on joue. Peut-être. On va voir ça. On va voir ce que Delota peut faire. En tout cas, donc là c'est match Grenoble-Grenoblois. Voilà. Classique parmi les classiques. Delota qui chatouille un peu le menton à Bastos. Le dégât qui a pas explosé mais qui a juste fait disparaître le soldat. Un peu bizarre. Quoi. En tout cas, on a vu sur le stream de belles phases de bourrage, et franchement, c'est là que je peux te dire d'être fier d'être grenoblois. Du coup, j'allais dire, je tenais à remercier Letio et Lavinou parce que tournoi de déconfinement pour moi, c'est un plaisir d'avoir pu venir participer ici. Ouais, bah après, t'as fait une petite tournée en France aussi. C'est vrai, voir des nouveaux joueurs, il y a plein de nouveaux joueurs ouais. qui sont présents. Bah là, oui, tous arrivés pendant le confinement, là, qui n'avaient pas pu jouer avant, bah là, ils peuvent enfin se présenter, etc. C'était un plaisir. Et la venue est royale et somptueuse. Hein. Enfin, ah ouais. On passe autoritaire. On passe du 4-5-5. Le gros lèche trap de Bastos. Ouais, bah finalement son Joker. Joker. Best Joker du nord de Grenoble, il me semble. Ouais, bah. On va chercher le lèche trap. On va chercher le lèche garde très loin. Ouais, je pense qu'on peut même dire. C'est plutôt genre de l'ouest. Ouest de Grenoble. Ouais, ouest. Hein, Ouais, Bastos c'est lyonnais un peu. Il a fait le déplacement. Oui, c'est vrai. Il a fait le déplacement pour nous. Bref, tu le débat, on revient à even % sur les stocks, un léger avantage côté Bastos. Et on a Station Pro, donc pour l'instant ça va, on aura Nair, une petite dash attaque, ok, ça bourre. Ça bourre, mais ça touche. Ça touche, ouais, c'est. On va ce que Bastos nous réserve au débat. Ouf, ce grab. Le lightning kick a fait très mal. Situation de guard. Ok, un petit counter tranquillement, la get-up attaque qui va toucher, surprise quand même. Joker. Hein. Ouais. Mais 20% c'est très even là, ça s'échange les coups, ça. Là ça, je pense que ça veut quand même attendre un peu la fin de cette scène. Voilà, ça va le faire partir normalement. Voilà. Mais on a plus de sauter les bateaux sur le sang, donc on va tranquillement en face de la trap. Au petit dash dance, un petit peu tilt. Ouais, il a été patient, il a attendu. Il a puni après le coup et puis bah tranquillement. C'est lui qui est dans le retour de situation. Hein. Ouais. Le Vatal qui a un peu kisté ce ledge. Ce qu'il ajoute tranquille, il sait que Zelda ça fait de sa tape fort quand même. Hein. Une erreur et bon, tu pars vite ta stock. Hein. Il est patient, son astra. Il n'y a plus d'agressivité. Ah bah. Ça va tuer. Ouais. Ça joker, c'est pas très lourd. Hein. Alors, c'est un peu présomptueux ce Lechtrain. Oh, oh là 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 là! Bass Toxic is schmoving in the arena tonight! Pur fruit. 100% bio. Hein. Là, c'est on parle à MK les ovnis. Hein. Chevalier qui a bien protégé du follow-up au nerf. Oh, bien vu, ça vaut pas être Bastos. On aura un trou, on aura back air. Mais le nerf redonne-t-il là pour... Oula, oula. De toute façon, parce que les Zeldas se réversent très très vite, les portes ouais. Soldat, il a voulu culteur, ouais. Tu sais que ça peut tuer à 10%. Ouh, Lightning King en sortie, ok. Ok.
Le résultat vous est pondu aux lèvres en chien. Flash rap, boss smash, ça passera pas. Ok, les coups cliquent dans le shield. Et là, là, si on s'en tient à ce pourcentage-là, c'est pour l'instant c'est ces attaques à l'avantage. Parce que là, ses coups vont tuer Joker, là, faut Joker. Sans Arsène, il va falloir qu'il trouve. Un smash, un follow-up. Ouais, backer, mais le backer c'est compliqué, ça tue pas. Un edge guard, PS2 c'est assez grand, donc backer ça va mettre un moment à tuer. Ah, ça bouge. Back throw, ça tuera pas. Il a quand même saut, on revient tranquille. Face de la strap, attention, très patient. Et le saut, on y va très tranquillement. Ça sert un peu des fers. Enfin, c'est quoi, c'est ferrant ça. Débattable va chercher beaucoup d'effets dans les strap. Je pense que Bastos a remarqué qu'il y en a cherché un autre. Ah oui, c'est bien vu ça. Il a trop attendu. Et première guerre pour Débattable. BO3. Et dans l'oreillette, j'entends que ça repart sur Joker, Zelda PS2. Va falloir commencer à ranger les écrans. Bah, tout sauf celui-là. Sergio. Le Joker pour fruit. Joker pour fruit, c'est reparti. Il est pas parti, Moon. Ouais, parfait. Ah non, c'est Bopi, je suis con. Le cash prize. Le cash prize, c'est pour Bopi. Contrairement à Lyon, nous avons du cash prize. Et comme s'appelle ce weekly aujourd'hui, 5€ seulement. 5€ seulement. Je sais pas si t'avais suivi le 7€ de Lyon sans cash prize. Oui, bon. Ça avait fait jaser. Voilà. C'est une petite boutade sans vraiment. Au moins, voilà. On n'a pas leur niveau sur Smash, mais au moins, on a du boulot. Et on a de l'argent pour les mecs derrière Bastos. C'est vrai que Bastos, il vient récupérer sans goûter, hein, pas mentir. Là, il a fait une run full winner. Bastos, débattable aussi, en vrai. Je pense qu'on va commencer à s'habituer à les voir en grande finale, ces deux-là, quand même. Ouais. Ça a l'air d'être les deux tops actuels, quoi. Ouais, ça dépend si Bastos continue avec son Joker pour fruit. Voilà, je sais pas ce qu'il fait. Je cherche à trouver quelque chose. Ok, le meilleur Joker de Grenoble, je pense. Arrête, peut-être que. En session, on fait énormément de sessions, toujours comme ça. Oh, un Kelo ça. Et il a peut-être remarqué que Joker est un. Il préférait jouer contre la ZZ débat avec son Joker. Il teste tellement de persos en session que ça devient absurde. C'est. Je sais pas le combien de nouveaux images que je perds à Mario DK. Ouh, c'était dangereux Star Dodge. Les gars, toujours ça monte les pourcents tranquillement, en vrai, ça. C'est compliqué parce que c'est Zelda qui a le plus de potentiel de kill dans la situation. Ah, le mec il va tout chier à la fin et ça tuera pas quand même, c'est grand PS2. Ma belle planète du jeu, on rappelle. Grande map du jeu surtout. Ok. Non, il n'y a plus Kalos. Final City est grand mais les plateformes les bases sont assez proches, mine de rien. Et PS2, ouais, bah. Et là, on est plutôt passé, on est à 1 minute 30. Trop de pourcents pour le combo à faire. On a 1 minute 40 de jeu, les deux sont à kill pourcent. Voilà, le F-Tilt. F-Tilt vient de vers le bas avant le premier kill. Et là, faut qu'il installe son avance. Là, faut pas qu'il se fasse toucher maintenant. Faut qu'il installe son jeu, faut qu'il mette des pourcents. J'ai trop de très bas. Ça aurait pu passer, ceci dit. Hein. C'est. Là, on va courir. Faut trouver ce kill. Ouais, il a du mal. Ah, le B qui a touché 14%. Ok, t'as chanté que ça va le faire. Fais passer le mot. Oui. Oui. Fais passer le mot à Big. Ok. Il a lu les mouvements des batailles, il a grab direct. Sans ouais. Ce niveau là, il a. Ouais, normal, il l'a lu, il a bien retenu le chevalier. Là, on a du coup un Arsène, on va chercher un Donner peut-être. Et on va chercher ouais, encore, ça n'a pas touché. Bah, il va être très dangereux. Ouh, là, il y a qui va faire très mal le deuxième. Doumeya, Trip. Ouh, non. CSD CSD. Il a voulu éviter le troisième, je pense, pour pas trop prendre 2% et essayer de revenir. Mais c'est pas concluant. Débat qui avait tout intérêt à camper Arsène, là. Je comprends pourquoi il descend aussi vite. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il cherche ? Oui, là, je crois qu'il a un deuxième coup, mais il a pas réussi. Par contre, en vrai, ça a quand même mis 38%, c'est quand même tout sympa comme avance de stop. Oh, belle ride de saut. Belle ride de saut. Oh là là là. Il l'a bien couvert. Hein. Juggle Master en face de nous. Ok, là, des batailles d'affichage, c'est ces petits combos, peut-être un grab. Ok, là, on a chargé la foule. On a chargé la joueuse d'Arsène, c'est chargé en un chevalier et un coup tanké. Peut-être qu'il est un peu trop tôt, l'Arsène, dans la game, là, parce que je sais. Soit il va chercher un kill très tôt, soit un grand head smash, voilà, mais je sais pas. S'il perd le Arsène maintenant, ça va être compliqué de tuer pour plus tard. Oh, la belle
belle win de notre pour débattre. Il a perdu son joker. Après, c'est toujours possible les combos Dragdown en Smash, hein, mine de rien, même sans. C'est vrai. Même sans Arsène, ça fait quand même bien mal. Voilà, voilà, voilà. Ouh, il a loupé. Là c'est dur. Ouh. Des batailles qui regardaient très fort sur la Lightning Kick. Hein. Ouais. Ça a failli faire très très mal. Ouh, voilà Lightning Kick. On a encore la situation de. On a Last la stock. Là je pense que ça va pas tarder à tuer. Tous les coups. Oh dommage. C'est dommage sur le Bastos. Il a fait Down B devant la garde de Zelda. C'est juste. Elle a juste grave. Elle a fait voilà. Oh, et le saut qui est encore. Ouais, voilà, mine de rien. Qui reset. Qui reset. C'est un reset, hein. Bon, alors, c'est l'autoroute, hein. On a gagné son argent. Bastos n'a donné... a donné un peu de buzz. Il a donné un peu de buzz. Il y a des batailles qui, solide sur ses appuis, a fait tomber le géant au pied d'argile. Pas toxique en personne. Hey, je peux pas dire, mais en soi, c'est que deux games à gagner pour gagner ton droit pour des batailles. Ouais. Le pick up, what? What? Ah, une spéciale. Un pic un peu ça, original. On connaissait le robe de débat. Ouais, c'est le Pikachu de débat. Avec son petit chapeau de magicien, en plus, c'est assez original. Merci, non. Mais il a dû le faire en secret parce que je ne l'ai jamais vu. Ah, il a été un peu loops. Il a commencé à me sortir des loops là, mais what? Ouais, bah en vrai, c'est assez facile à train. Hein. Le problème avec Pikachu, c'est quand c'est pas trop joué, c'est de trouver les kills. Parce que mine de rien, bah, la chatte c'est bien, mais. Il est dur. Bah, de l'histoire, mais tu parles de Wario, hein. C'est vrai que Mario a un des meilleurs récords du jeu. Voilà. Avec la Après, moto, est-ce qu'il connaît les setups pour bien tuer? Est-ce qu'il connaît la Don't Throw Thunder en suivant la DI? C'est dur, hein, ouais. Ça demande de la technique. On va voir ça, mais ouais, je suis très désarçonné par le pic de débat. Voilà, est-ce qu'il compte sur le fait de bien read Bastos? Bah, en attendant, pour le coup, ça va plutôt bien marcher parce que. Oui, il a les combos. Mais après, il a accumulé les pourcents. Pikachu, ça trouve très efficient des combos low pourcents. Maintenant, il faut tuer. Wario, il est à 100%, hein. Seulement 20% pour côté des bas. Là, c'est juste, il faut trouver cette stock. Pas qu'un arabe, faut un pas de terre, faut des gueules. Nickel, le beurre qui est trouvé. Je sais pas si Bastos fait voilà. Un ah, tu vois là, il a voulu faire un petit drag down air into up smash, c'est trou. Enfin, cool. Je crois que tu peux dire out quand même. Je sais que de l'air down smash, c'est trou. Voilà, pas du tout, je suis en air. Hein. La moto, face de la chair de Wario, terrifiant. Hop. Okay, et... Il a fait la moto, et tu vois, Bastos qui est remonté, et là, il a trouvé le kill. Il a monté avec Wario plutôt lourd, pour le tuer, pour y aller. Ouais, c'est soit ça. Un grand smash. Tu vois, là, c'est le nerf smash, il le cherche comme ça, je sais même pas si c'est vraiment. Ouais, voilà. Bastro, il veut tenter un peu du guard. Oh, c'est un smash, hein, clairement. Je crois. Le pixo, on a revenu avec la moto, c'est fini. Ah ouais, c'est l'air d'être, ouais. On a le Pikachu. Oh, la première stock. On a un petit passif de Pika. Ah, la grosse baffe. On a un petit passif de Pika à Grenoble. C'est un coup de tapis évidemment qui fait rager les autres. Oui, oui. Ça marche plutôt bien contre les autres. Et surtout contre les Shoto qui ne sont pas prêts. Encore, on aurait dit le Pika de Bopi. Pika de Bopi, je l'ai déjà entendu parler, je l'ai déjà vu. Je sais qu'il existe. Ouais, ouais. Ok. Pas mal, hein. Après là il y a le WAF, c'est déjà, ouais, ce qui est déjà, on voit beaucoup chargé. On a tu connais un peu ses combos déjà quand même, au moins. C'est vrai que ça change quand même pas mal de Zelda en vrai comme gameplay, hein. C'est des combos. On a 2 minutes 20 de game, 2 minutes 30 bientôt maintenant, on aura le WAF. C'est dur. Il n'y aura pas de WAF, je pense qu'il n'aura peut-être pas le WAF sur cette stock là, il n'y a peut-être pas de vent à vu les pourcents de Pikachu. On voit, tu vois, qu'il ne laisse pas trop Pikachu quand même, on voit pas de quick attack en neutral, tu sais, pour se repositionner. Quoi. Ouais, mais mine de rien, tu vois, c'est un outil. Oh, bien vu ça, on voit que Zelda a l'expérience. Ah, ça c'était osé, ça tu rentres pas. Biff FB, ça tu rentres pas, on monte, on essaie B, on a double B, ok. Il n'y aura plus que deux attaques. Oh, attention, bonne air. On a encore une pour ça. C'est vraiment super, je pensais pas que c'était aussi tendu, tu vois. Ouais, bah après, bon. Ouais. Oui, c'est à moi. Hop. Merci beaucoup. Ouais, mais. On va voir ce qui va se passer, mais. Oh, le backer. Ouais, ça ne tuera pas, hein. On a plus d'air d'os que des Bastos, on a plus de son, rien. Ok, tranquille. Backer. J'ai vu Wario. Tu veux savoir un truc assez amusant? Tu sais qui d'autre comme Zelda avait un Pikachu? Bah, il me semble, non? Ouais. On est d'accord. Mais c'était pour Bastos en plus. Et je crois que ouais, ça vient pas de nulle part, à mon avis, quand même. Est-ce qu'il a pris exemple ou c'est juste de, un autodidacte? Ça peut déjà tuer. On a repère. Ça c'est dur. Mais il a cherché le nerf de Waft, on a la baffe. Ouais, il a plus grand chose à chercher. Ouais. What? Attends, ouais. Ouais, il a drop de Waft. Et... Mais en tout cas, belle surprise quand même ce Pikachu qui. Bon, au final, Bastos, mais pas si dégueu.
j'en suis le premier étonné, tu vois. Ouais, mais. Mais j'ai hâte de voir parce que ce qu'il nous réserve. On va voir s'il n'ira pas sur Zelda, on s'ira sur Pika, on va voir ça. C'est le moment de tester, tu vois. PS2, il dit, bon, c'est tout le cas, je fais quand même déjà deuxième, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, je pense qu'il va, il va continuer ce Pika. Peut-être que dans le futur, ça montrera des résultats. Là, pour l'instant, bateau, ça va plus déterminer à prendre les cash prize. Ouais, là, il veut changer cash prize. Ouais, Pikachu, c'est pas déconnant comme pocket, ça peut couvrir pas mal de match-up, je pense. A voir s'il arrive à faire marcher ça là tout de suite, je pense que c'est quand même un test, etc. pour voir comment ça se passe. Il y a peut-être aussi du fait que Bassos connaît peut-être pas trop, Pikachu ça court pas les rues hein, dans le coin. Non, en fait dans la région, il n'y a pas beaucoup de. En fait, il y a Nirose. Ouais, si, il y a Nirose, mais je sais pas s'il a déjà joué contre Nirose. Et dans ce cas-là, ça se trouve, il a quasi pas flippé, il s'est juste fait éclater. Mine de rien, tu vois, je trouve que Bastos a plus l'avantage sur cette game-là. Je pense qu'il s'est habitué déjà un peu plus. Il fait B. Voilà, t'as de la moto. Donc le Thunder qui est passé, on a la moto, ok, combattier, aucun buzz. Ah, clairement aucun buzz. Bastos lui a dit, je vais te buter, et ce soir, contre Patrick. Une stock de lance, bah là Bastos a besoin d'approcher en vrai. Hein. Il va chercher son warp, il va... Mais ça tourne. Débat qui tout ah, get body. On a déjà fait louper. On a déjà pu se faire body d'après la tune. Ah, non, c'est mon sac là. Il. Ok, gros backer, ça tue. Et gros stone de Bastos. Bastos en bas. R. Après, débat à tunes. Il a tunes. Ouais. Balle au centre. Au centre. Hein. Il m'a semblé voir dans quelques lives, quelques streams précédents, certains loupa de tonnes contre Bastos qui se faire salement. C'est surtout contre Big. Comme Big. Comme Big, tu sais, je mets la tonne qui est derrière, je vais prendre un shield break. Honteux. Grosse passe d'avantage de Bastos stoppé par un grab à top shield de Pika. Ah, déjà quand même qui revient un peu. Hein. Non, c'est dur parce que. Il fait une stock de retard quasiment. Ouais, il a une stock de retard, mais mine de rien, c'est quand même l'avantage de pourcent sur cette stock là. Il n'y a plus de doigts face à Bastos. Il a juste. Parce que là, Bastos a tout intérêt à juste camper. Oula, ouais. Faire. Moi, je pense qu'il y a un peu de camper. Il sait qu'il a l'avantage d'avoir l'edge. Check whiff. Il n'y a pas de hype, hein. Il y a zéro hype. Hein. Hey. Ah, ça tend des gros d'air. On cherche un gros okay. Des grosses crits. Bastos, il a envie de. Hey. Il a envie d'en faire la raison. Hey. Hey. Coup, on va descendre en bas. Même moi. Ça m'appelle le PX. Il me fait l'inverse, c'est l'inverse. Ouais, je vais en couper. Oui, oh, oui, oui. Attention, je me shift. Oh là. Let's go! C'est fini? Bien joué! Let's go! Félicitations à Bastos! Non! Je suis à son goûter! J'ai joué pour le goûter! Encore une fois, champion incontesté de Grenoble! Bonne matin, s'il vous plaît! Et bien joué! My phone! Allez, vas-y, merci Bastos! Et moi, je vous souhaite une bonne soirée! Bonne soirée à tous, bisous! Bisous! J'ai bien reçu les photos! Vive le retour des Weekly! Allez! Ça fait plaisir!